bienvenue sur ma chaîne Vierge, c'est moi. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je remercie mes fidèles abonnés de continuer à me suivre. On se retrouve aujourd'hui pour un petit colis, un tout petit colis de chez AliExpress, mais que je voulais absolument vous présenter. Donc, j'ai commandé sur AliExpress deux petites choses qui sont arrivées en même temps. Alors, on va commencer par ce petit stylet, comme ça, en forme de patte de chat. Alors, le stylet, je l'ai... alors, je ne vous mettrai pas le nom du vendeur, hein, puisque de toute façon, voilà, vous tapez sur AliExpress ce stylet, vous allez les retrouver avec plein, certains des diamants, etc. J'ai payé 83 centimes et la livraison 90 centimes. Voilà, donc il y a une livraison avec, ils ne sont pas chers, mais il y a une livraison. Donc, au final, ça revient à un peu moins de 2 euros. Donc, voilà comment il est. Avec le petit bouchon, le stylet, donc voilà, c'est pas carré, hein, c'est rond, classique. Et on a le petit, voilà, la petite patte de la mimine ou du chien, hein, comme vous voulez, que vous pouvez enlever. Voilà, vous pouvez l'enlever et le mettre sur un autre stylet basique. Alors, je l'ai testé hier. Hein. Alors, il va très bien. Moi, je mets de la glue dots, hein, dedans. Donc, il va très bien. Et au moment où j'ai voulu, avec une pince, enlever la glue dots pour la retourner, la glue dots pour la changer de côté, et ben le petit truc ici, il est venu complètement. Voilà. Donc ici, il se dévisse. Donc j'avais essayé de le renfoncer, donc j'avais essayé d'appuyer un peu sur la table pour le renfoncer. Le problème, c'est qu'il était rentré complètement. Et ici, sur les côtés, il s'est déjà un peu fissuré. Donc hier, j'ai mis de la glue. Voilà, c'est pas normal, hein, quelque chose qu'on reçoit la journée même. Bon, alors honnêtement, je vais vous le dire, j'en avais déjà eu un pan en plastique comme ça, avec tous des diamants, enfin tous des diamants, tous des perles brillantes à l'intérieur. Et pareil, j'ai eu le même tour, il s'est cassé. Donc bon, je me doute que ça va pas faire long feu. Mais bon, c'est pas grave, je récupérerai la petite patte de chat que je mettrai sur un autre stylet basique que je customiserai, pourquoi pas. Voilà, bon, voilà, je l'ai plus pris pour ce petit détail-là, hein, que pour le stylet en lui-même. Voilà, donc, sachez que, bon, vous pouvez l'enlever, le mettre sur un autre, ou sur un crayon, hein, pourquoi pas même sur un simple crayon, et puis, voilà. Là, ça a l'air de tenir. Alors après, comme avec la glue, ça l'a fait durcir, l'autre, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il s'est carrément cassé là, et puis, bon, bah, impossible de rien faire avec, hein. Voilà, ils vendent pas d'embout à visser comme ça, à changer, hein. Ça, c'est, il y en a pas. Donc, voilà. Pour le petit stylet. Et j'ai pris ça. Alors, ça, c'est quoi? Certaines connaissent peut-être, d'autres peut-être pas du tout. Alors, c'est entre le point de croix, pour celles qui connaissent, qui font du point de croix, et le diamond painting. Moi, je dis que c'est une alternative entre les deux. Donc là, pour commencer, j'ai pris un tout petit truc qui est un porte-clés. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous avez la petite mousse pour former votre porte-clé. Vous avez donc l'attache, hein, pour le porte-clé. Vous avez ici donc le point de croix. Alors, c'est du plastique par contre. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas du tissu, vous savez. Voilà, c'est du plastique. Et en fait, donc, il y a les deux faces, les deux côtés à faire. Hein, on est bien d'accord. Et donc, vous avez du fil à point de croix, hein, donc du fil accroché à broder. Hein. Donc, il faut les enlever. Alors, quand vous allez enlever un fil, il faut le diviser. Le morceau de fil que vous allez tirer, par exemple, le marron, il faudra le diviser, prendre que deux fils. Voilà, il faudra prendre que deux fils. Ensuite, ben, il y a des petites perles. Alors, c'est toutes petites, petites perles, comme ceci. Voilà, vous allez peut-être mieux voir les blanches. Voilà, des toutes petites perles comme ceci. Voilà, il y a les quatre. Et ensuite, vous avez, dans le pack, vous avez également, alors attendez, je vais regarder combien il y en a. Il y a quatre aiguilles. Voilà, ils sont juste là. Ils sont juste ici. Voilà, les fleurs, hein, ce qui est long, hein. C'est quatre aiguilles. Donc, vous avez quatre aiguilles avec. Alors, ce qu'il faut faire, donc, c'est, on fait pas un point de croix, donc, on fait pas une croix, hein. Alors, le problème, c'est que, il n'y a pas de notice en français, mais il y a le dessin. Ça, c'est le patron. Et, tout étant,
chinois. Voilà, donc impossible de lire quoi que ce soit, mais il montre quand même comment on fait. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'aiguille à l'intérieur. Donc, par exemple, si on fait le contour en premier, on passe l'aiguille à l'intérieur. On vient prendre la petite perle et on vient mettre, vous savez, comme ça. Hop, hop, en pas droit, en diagonale. Hein, voilà. Donc, d'un, on passe à l'autre. Après, on refait pareil, on repart sur l'autre. Hop, on met la petite perle et on continue et ainsi de suite. Donc voilà, bon, à tester. Je marque combien de temps je vais mettre pour le faire. Je vais pas le faire tout de suite, hein. Voilà, je pense pas que je vais le faire tout de suite. Je vais commencer, je vais voir ce que ça donne. Je vous montrerai une fois terminé, pourquoi pas vous montrer même l'avancée, hein, pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai commencé par le petit porte-clés. Alors dans cette collection, chez ce vendeur, il y en a 6 différents. Il y a la petite patte aussi de... Il y a la petite patte, donc il y avait le petit chat. Enfin voilà. Voilà le petit chat, hein, j'ai pris celui-là en rappel au mien. Hein. Regardez qui est en train de passer juste là derrière. Voilà, le petit chat, le chat roux. Et ensuite, voilà, bon, il y a plein d'autres modèles chez d'autres vendeurs. Il y en a d'autres également. Donc, j'ai pris ça. Je vais donc tester. Hein, et puis après, ben, tout simplement, quand vous avez fini, ben, vous mettez la mousse. Bon, pas tout peut-être. Hein, voilà, tout dépendra. Hein. Voilà, faut bien, bien mettre la mousse à l'intérieur une fois que c'est terminé. Hein. Et puis, ben, là, il faudra tout simplement venir ici faire un point basique, toujours avec les mêmes fils. Voilà, pour terminer le truc, et puis voilà, ça sera cousu, et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Alors ça, c'est 1,68 €, par contre, il y a une livraison de 1,02 €, ce qui fait en tout 2,71 €. Je l'ai eu chez Garden Décor 11 Store. Et la livraison du stylet que je viens de vous montrer, comme ça, 15 jours. Voilà, moi j'ai tout reçu en 15 jours. Donc je trouve que ça a été plutôt assez vite. Voilà, donc ça arrive hein, comme ça. Hop, 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 et hop, hop, hop. Voilà, ça arrive comme ça. Ça, c'est fermé. Je le remets tel que c'était. Voilà, hop. C'est mis là-dedans. La petite mousse. Mis comme ça avec. Bon, là, j'ai en train de tout casser. Bon, c'est pas grave. Et puis, ça dedans. Bon, je vais tout remettre comme c'était parce que là, ça est en train de m'agacer. C'est pas... Voilà, je vais tout casser. Je vais remettre un morceau de scotch. Voilà, j'avais mis du départ correctement, hein, ça aurait été bien aussi. Ah, est-ce que, voilà, eux, ils l'ont pas fermé. Voilà, bon, enfin, je vais remettre un morceau de scotch et hop, je vais le refermer. Et puis, je vous dirai, je vous montrerai l'avancée, ce que ça donne, etc., ce que j'en ai pensé. Alors là, je vais essayer qu'un petit porte-clés, mais ils font également des toiles comme ça. Voilà, ils font également des toiles. Donc moi, le point de croix, je connais. Hein, voilà. Le point de croix, c'est plus quelque chose que je fais l'été dehors, quand il fait beau, etc. Donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, ça peut être une... Alors moi, je trouve que c'est une alternative entre le point de croix et le German painting. Voilà. Parce que il y a du fil, comme le point de croix, et il y a les petits diamants, on va dire, les petites perles. Comme sur le German Painting. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, je vous dis, je vais tester, voir ce que ça donne, le rendu, etc. Et ensuite, si ça me plaît, pourquoi pas acheter une petite toile. Voilà. Même si elle va durer assez longtemps dans le temps. Hein, parce que, bon, voilà. Je suis plus en ce moment sur le DP qu'autre chose. Mais, voilà. Pourquoi pas, si c'est pas mal, élargir un peu la gamme, partir sur autre chose, un peu plus grand, une toile ou voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!